لي فزورا هات التيتر مع الزور اللي كيضي ودري ساقين نزبر نفضو لو تيتر غي افسين الا الله الا لي زونفون بيردو الله غير اسماء الله. Il y a des gens qui pensent que par provocation, c'est bien de provoquer un petit peu, mais au-delà de la provocation, ce titre est évocateur d'un mal-être identitaire. Parce que les Algériens en général, et même les Berbères, ils ont été tous les autres, mais jamais eux-mêmes. J'ai écrit un texte au Masmar, l'Afrique doit retrouver son or. Un dasnir, il y a une petite phrase, mon acte de naissance est un acte de décès. Le livre Agui, à l'orbite des enfants perdus, retrace l'histoire de jeunesse perdue. Allah, pourquoi Allah? Allah, parce que Allah, on le met à toutes les sauces. Il d'ailleurs, le Djouama, Allah. Même récemment, il est portable. La sonnerie, Allah a matzalat. Donc, Allah, on le met à toutes les sauces. Aussi bien pour faire une amabilité, mais également pour corrompre. Et en même temps, ce mot est lié à au fatalisme des Algériens. C'est un mot qui me gêne un petit peu. Il est paradoxal. Après, la deuxième partie, c'est les enfants perdus. Voilà, les enfants perdus, tu aurais dans sa société, tu feras aussi, c'est le contour de Dieu. Oui, c'est ça, c'est le rachet, c'est un petit Dieu, Nérasin. Dieu est tâté. Rabbi, c'est laïque. Allah, un petit peu, entre guillemets, intégriste. Parce qu'il y a même les gens qui est tué. Par exemple, ceux qui ont tué les journalistes Charlie Hebdo, à Agvan, Allah Akbar, etc. Donc on est traumatisé par ce mot, notamment durant la décennie noire, au Kouné. Après, les enfants perdus, ailleurs, les enfants perdus, Nismari Manari Mazeran, alors que ne sont pas des hommes libres. Voilà.